Good afternoon to you, televiewers. We're glad you've kept the fidelity by joining us in this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Bonjour, Nadine Yam. Good morning, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Television. Les Camerounais sont appelés aux urnes le 7 octobre prochain pour choisir leur futur président de la République. C'est ce qui ressort du décret signé hier par le chef de l'État. Et le texte de Paul Biya met ainsi fin au terme au processus d'enrôlement des électeurs sur les listes électorales et les candidats sont attendus à Elecam, donc qui devra dévoiler dans les prochains jours les personnalités remplissant les conditions pour s'engager dans la course à la présidentielle. Aïe Cyril et Joël Essengue. Le corps électoral est convoqué ce 9 juillet pour la présidentielle le 7 octobre 2018. Docteur Ilay Kamga, expert des questions électorales, note que pour le coup au moins, la loi électorale a été respectée. On serait attendu à autre chose si et seulement si on était dans un état normal, dès lors que les conflits dans le nord et le sud-ouest pourraient induire une prise en compte de cette situation de crise et éventuellement un report, parce qu'il y a toujours le mécanisme constitutionnel qui permettait de le faire. Mais au moins sur le plan légal, il a respecté la loi. Maintenant, sur la qualité des élections qui vont se tenir, tout le débat va se poser à ce niveau. S'agissant des potentiels candidats, ils ont une dizaine de jours pour constituer et déposer leur dossier de candidature. Elecam disposera à son tour de 20 jours pour publier les listes définitives. À partir de maintenant, il y a une dizaine de jours pour constituer le dossier de candidature et tous les candidats vont être connus d'ici rendu au 20 juillet. Tous les candidats vont être connus, des candidats officiellement déclarés et enregistrés pour cette élection. Après Elecam, le Conseil constitutionnel entrera en jeu pour traiter des questions liées au contentieux préélectoral. Le contentieux préélectoral va nécessairement s'ouvrir après la date du 20 juillet parce que le Conseil constitutionnel devrait statuer sur ces candidatures et sur éventuellement des recours des candidatures rejetées par l'élection de Cameroun. Dès qu'il commence à statuer, il dispose à partir de cet instant-là d'une période de 5 jours pour rendre éventuellement ses décisions. Selon toute vraisemblance, on se situera autour du 24 septembre 2018, date d'ouverture officielle de la campagne électorale. Mais l'expert note avant cette date, les émissions de débats politiques dans les médias, tout comme les meetings grand public des partis politiques, ne sont pas interdits. À charge pour les candidats de ne pas se prononcer sur la future élection présidentielle. Il n'y a aucune disposition légale qui demande à l'organe de gestion des élections ou à toute autre autorité de suspendre les cadres des débats publics avant la campagne électorale. Lorsqu'une télévision ou une radio se verra ainsi interpellée par un organe quel qu'il soit, il me semble qu'il est indiqué d'attraire l'autorité qui aurait pris une telle décision devant le juge. Un parti politique est créé pour se vendre, donc pour communiquer, pour faire sa propagande. On n'attend pas la période de campagne pour pouvoir le faire. Maintenant, la propagande sur une élection précise et sur les candidatures ne doit pas être faite avant le début de la période de campagne électorale. Dès l'ouverture officielle de la campagne électorale, l'affichage des banderoles et effigies des candidats est réglementé. Toute personne qui fait des affiches au-delà des dimensions qui vont être données par voie réglementaire, donc par un arrêté, devrait être punie. Qui affiche, qui met ses affiches dans des endroits non programmés pour cela, devrait être punie. Last but not the least, la convocation du corps électoral ce 9 juillet entraîne automatiquement l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Du point de vue des électeurs, il va de soi qu'à partir de ce jour, il n'y a plus d'inscription sur les listes électorales. Avec la convocation du corps électoral, la course à la présidentielle est véritablement lancée. L'élection se tiendra le dimanche 7 octobre 2018. Les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et fermés à 18 heures précises. Il y a 3 mois de ce scrutin, tant attendu au Cameroun, des réactions fusent au sein de la classe politique, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On salue cette décision du chef de l'État, Édouard Fouchivé, cadre de ce parti, précise que la Constitution a été respectée avec la convocation du corps électoral. Reste donc au parti politique de se mobiliser. Nous l'écoutons. Comme Camerounais, ça dit que tout simplement que notre constitution a été respectée, le corps électoral est convoqué à temps
Donc, il revient donc à chaque parti politique de s'apprêter, parce que c'est une élection aujourd'hui plus que jamais qui nécessite, puisque c'est un candidat face à son peuple, que tous les partis politiques qui peuvent concourir à cette expression puissent se préparer pour que d'ici le 8 octobre, qu'on ait un président capable de nous amener plus que jamais en 2035 où nous tous nous convergeons. Maintenant, comme en politique et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous disons tout simplement que nous y voici et il est temps que nous repartons au niveau de la base, puisque nous avons cette expression de vitalité politique de tous les jours. Il faut maintenant que nous repartons, parce que nous savions déjà que notre président national est candidat, et donc il est temps maintenant de le porter maintenant pour un autre mandat présidentiel. Aujourd'hui, l'expression que chaque Camerounais peut donner, c'est de faire un choix. Donc, nous avons dans les deux régions les Camerounais qui aujourd'hui veulent rester Camerounais, d'autres qui ne veulent pas. Donc, ceux qui veulent rester Camerounais vont choisir leur président, il n'y a aucun problème. Mais nous pensions aujourd'hui, plus que jamais, que chaque Camerounais devait comprendre que le principe de la paix aujourd'hui, pas la paix seulement à cause des deux régions, mais la paix aujourd'hui est un ingrédient aujourd'hui du développement. Et tous les pays qui veulent aujourd'hui avancer sont des pays où la stabilité politique, où la paix est un ingrédient magique. Au sein du Social Démocratie Front, le SIF, Jean-Robert Wafou affirme que je sois aussi candidat du principal parti de l'opposition, est prêt pour affronter cette bataille, mais regrette, même s'il regrette, que le chef de l'État prenne les gens par embuscade. Écoutons Jean-Robert Wafou, ministre du chargé au cabinet du SIF, en charge de l'information et des médias au micro d'Equinox Télévision. Il est clair que, bon, le président de la République est dans les délais, mais ce que nous tenons à relever ici, c'est quoi? C'est cette politique d'embuscade qui est régulièrement perpétuée au point où c'est une seule personne qui décide l'espoir de la date de convocation de corps électoral. Bon, voilà, une fois que c'est dit, l'autre candidat est prêt, Joshua aussi est prêt. Actuellement, il est en pleine tournée pour rencontrer, n'est-ce pas, nos compatriotes de la diaspora. Demain, par exemple, il sera... du côté, le 14 juillet, d'abord demain, il sera dans l'état du Minnesota. Et le 14 juillet, il ira donc à Londres pour rencontrer également nos compatriotes de la diaspora. Bon, voilà. Et puis, le retour est prévu, n'est-ce pas, d'après son calendrier de campagne, le retour est prévu pour le mercredi 16. Donc, bon, voilà. Donc, et puisque le corps électoral a été convoqué, n'est-ce pas, ce jour, nous sommes le 9 juillet. Ça veut dire qu'on a 10 jours, n'est-ce pas, pour déposer les candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Il sera déjà là, puisqu'il retourne, il rentre au Cameroun, n'est-ce pas, le 14. Bon, mais pour le reste, bon voilà, Joshua aussi est prêt. Une fois qu'il a été investi par le SIF, il s'est rapidement mis au travail. Il a conçu une équipe, n'est-ce pas, de campagne. Il va sur le terrain, il rencontre des gens. Bon voilà, et c'est ce qu'il a, n'est-ce pas, amené à être pour le moment hors du pays, mais que les Camerounais soient rassurés, leur champion, n'est-ce pas, leur champion sera là. Il dépose d'espace et dossier de candidature. Non, mais je vais vous dire une chose, c'est que nous avons toujours voulu qu'il y ait un large consensus. Et nous avons également, dans ce cadre-là, réitéré, pour ne pas dire martelé, que... Je vous en prie, je dis bien ceci, le SIF a toujours voulu qu'il y ait un large consensus, n'est-ce pas, dans l'opposition. Parce que, voyez-vous, l'adversaire principal, c'est le RDPC. Bon, ben, bien évidemment, il faudrait que ce large consensus se fasse avec un minimum de bonne foi et d'humilité politique. Voilà, donc, une fois que je l'ai dit, vous comprenez très bien que c'est ce qui est en train d'être fait. Le candidat Joshua aussi a rencontré plusieurs responsables de partis politiques ainsi que des leaders de la société civile. Et vous n'allez pas, n'est-ce pas, me demander maintenant de dire qui sont ceux qu'il a rencontrés, parce que cela participe de la stratégie et comme toute stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle se doit d'être discrète.
Et toujours au rang des réactions, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, estime que cette convocation du corps électoral n'est pas du tout une surprise. Le MRC pense que les Camerounais doivent saisir cette opportunité pour faire naître le changement tant attendu. Écoutons donc à ce sujet Maître Michel Ndongui. Dire que le MRC est surpris serait dire que le MRC pense que les textes fondamentaux de notre République ne doivent pas être appliqués. Nous ne sommes pas surpris, nous sommes satisfaits de ce que notre appel et nos voeux de voir respecter le calendrier électoral prévu par les textes en vigueur sera respecté au moins pour cette élection. Alors, le corps est convoqué alors que ce débat, cette réflexion suit l'éventualité d'une candidature large consensus pour faire surface. Où en est-on les consultations dont on parle, ça compte plus dans les résultats. On verra les résultats au moment des déclarations de candidature. Il ne vous aura pas échappé que celui que l'ensemble de nos compatriotes considèrent comme le candidat naturel aux élections présidentielles, lui non plus ne s'est pas encore prononcé. Donc nous avons beaucoup travaillé, que ce soit au niveau national ou au niveau local, avec les représentants de ELECAM, et nous avons eu le plaisir d'avoir en face de nous presque systématiquement vraiment des personnes dédiées, dévouées, qui quittaient leur foyer le samedi, le dimanche, pour aller inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Et j'ai pu voir ça en Consamba, je l'ai vu dans plusieurs circonscriptions à Douala. Je crois que le vrai problème et la vraie question, c'est à quel point le gouvernement et le gouvernement actuel a donné les moyens à ELECAM d'assumer sa mission. Mais j'ai envie de dire à nos compatriotes qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Aujourd'hui, quel que soit le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales, chacun d'entre eux a une voix et une voix qui compte. Et ce que le Cameroun attend d'eux, c'est qu'ils donnent de la voix. Je pense que nous ne sommes pas en retard. Une chose est certaine, nous avons cette année l'opportunité vraiment de voir l'alternance prendre corps. Parce que nous avons, en tant qu'électeurs, je crois que même quand on est militant d'un parti, on est aussi des électeurs. En tant qu'électeurs, nous avons une offre qui est renouvelée, une offre qui est sérieuse. Et la question véritable pour notre pays aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la meilleure offre alternative par rapport à l'offre de gouvernance que nous avons aujourd'hui. Et la toile également s'est enflammée tout juste après l'annonce de la convocation du corps électoral. Les avis sont bien partagés. Les internautes estiment que l'heure de faire entendre leur voix enfin sonner. Écoutons ce reportage d'Auréole Tchoumi. Après la lecture du décret présidentiel au poste national, Paul Biya n'a pas attendu. Sur son compte Facebook, le chef de l'État camerounais reproduit l'intégralité de son décret portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Le dimanche 7 octobre 2018, nous avons l'occasion de faire entendre nos voix, s'exclame un internaute. Une réaction plus cocasse vient d'un journaliste, carte électorale en photo. Il parle de son arme, l'arme de la souveraineté du peuple. Mais l'inquiétude se fait ressentir. Un internaute pense que le tenant des horloges au Cameroun a enfin décidé du jour de son match. Avant de se questionner, dans combien de régions du Cameroun se tiendra cette élection, il évoque le contexte sécuritaire déplorable dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun, mais aussi les bureaux de vote toujours présents dans les casernes militaires du pays. Les vraies choses ont commencé, rappelle un partisan de Cabral Libi qui, sur sa page Facebook, édifiait déjà les internautes le 28 juin dernier sur la convocation du corps électoral en vue de l'élection présidentielle au Cameroun. Pour d'autres, plus rêveurs, mais soucieux tout de même de l'avenir du pays, une question se meurt sur le bout des lèvres, et si le 7 octobre se faisait sans lui ? Un publi-reportage à présent, c'est désormais officiel, une convention de concession des activités de remorquage au terminal pétrolier du Cap Libo entre le port autonome de Douala et des FACO Transport and Shipping Company Limited vient d'être donc signée.
Celle-ci garantit non seulement la régularité des opérations, mais génère également des gains financiers considérables. Reportage. Une poignée de main symbolique, voilà qui marque la signature de la convention de concession des activités de remorquage et de l'amanage au terminal pétrolier de Cap-Limbo entre le port autonome de Douala et de Faco Transport and Shipping Company Limited, Faco Ship. Cette signature solennelle est l'aboutissement d'un travail ardu au terme d'innombrables sacrifices et concessions des trois entreprises que sont la Sonara, le port autonome de Douala et de Faco Ship. Pour la petite histoire, c'est en 2015 que les démarches ont été entreprises et menées avec pour objectif majeur la normalisation des prestations des remorquages et de l'amanage au terminal pétrolier du Cap-Limbo. Une convention bénéfique pour les différentes parties. Elle garantit la régularité des opérations qui reviennent finalement à une entreprise ayant des connaissances avérées dans ses opérations et pétrie d'expérience en la matière pour avoir exercé cette même activité en ces lieux depuis plusieurs années. J'ai nommé Faco Ship. Deuxièmement, elle génère un gain financier considérable. À titre d'exemple, et dans l'attente de l'homologation du tarifaire du remorquage et l'amanage proposé par l'adjudicataire Faco Ship dans le cadre de cette concession, qui est la dernière grille tarifaire homologuée par l'autorité portuaire nationale. Du côté du port autonome de Douala, l'on est heureux de savoir qu'une telle initiative a déjà produit 60 emplois directs, dont 10 postes de dirigeants. This concession is particularly in doubt. It is the first concession in which the concessionaire is a company whose capital is wholly owned by nationals. The combined effect of the competition department in the context of the restriction international tender, added to the experience of partnership in the field of towing and mooring, with evident drop in the cost of towing and mooring services in Sonara of at least 1.2 million compared to the level in 2017. The number of direct jobs guaranteed by this concession is 60. Of which executive position. La convention de concession des activités de remorquage et de l'amanage au terminal pétrolier du Cap-Limbo augure également une stabilité qui s'accommode mieux à l'activité industrielle, étant donné que la durée est portée à 10 ans avec une possibilité d'amendement tous les 3 ans. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Innocent Nazé. Bien sûr, Nadine Yambo, once again, good afternoon to you, televiewers. Thanks for joining us in the second segment of the newscast. Cameroon's 2018 presidential election will take place on the 7th of October. This is contained in a presidential decree signed by the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, yesterday. This also puts an end to registration in the electoral registrar. Polls are due to open October 7 at 8 a.m. and close at 6 p.m. The convening of the Electoral College, according to presidential aspirant Akere Muna and his team, comes as not much of a surprise since this is in conformity with the applicable laws. He says his team is prepared and determined to participate as well as winning the 2018 presidential election. He calls on Cameroonians to seize the opportunity now and bring change to Cameroon by casting their votes for a new regime that will save lives, Cameroon, and bring back hope in the nation rocked by the socio-political impasse in the northwest and southwest regions. The Social Democratic Front Party, unlike other opposition political parties, has said it will participate in the election in order to pluck a win and bring change in Cameroon desired by most Cameroonians. And now let's have the reaction of a political analyst. He is Ako John Ako. It might be a surprise to many Cameroonians, but as an intellectual, from the time I heard there was a debate
on the extension of the mandate of members of parliament and senators, it equally, or parliamentarians, it equally gives me an impression that we're not going to have this as far as presidential elections were concerned. So to me, there was no surprise, because I knew that elections were imminent in October, except for those who were not aware, because this is the last parliamentary session we are having before October. If there was anything to extend the mandate of the president, that would have been done. If not, I knew that he was going to come out in this similar gesture. And you know, the country where we live is a country where we live with factism, a lot of fraud, egoistic and self-centered tendency, that whenever Cameroonians go into the pool, or creating an election is an atmosphere where those who think they're in power should cement or continue living while at the mercy of others. But I believe within Cameroonian standard, it is quite disgracing and embarrassing that in the present atmosphere of Cameroon, we can still think of election. We spoke here some time ago, there is no need for election in 2018. Looking at the three cardinal points or the four cardinal points of Cameroon, north, south, east, west, you realize that tension ranges all over, and we don't know where elections will be conducted, who are those who will be sent to the field, and a lot of other things. Are Cameroonians, it is a pressing issue of Cameroon's presidential election. Why has the president refused to get into the call of Cameroonians that we need to handle Cameroonian problems and keep these electoral issues apart? Cameroon is a state of law. Cameroon is a democratic nation. We need to manage it otherwise and let Cameroonians know that within us, within them, they can still continue. It is rather funny. We need to put the life of the citizens at the top rather than mingling with presidential elections or whatsoever. And the political analyst also wishes that the election should be free and fair and, of course, transparent. He wishes that all actors involved should play their respective roles effectively. Let's hear him once more. Election Cameroon, you remember, they have just changed his, the composition of the team that make up that organ with a lot of inconveniences that they were going through. Again, how will they assess materially, financially? We don't know the stakes. We know under what circumstances the former director of elections Cameroon was replaced, and a lot of these other issues. Are we really there to serve Cameroonians? If elections were to serve the interests of Cameroonians, then everything must make sure and to know that in the political history of Cameroon, elections remain the overcrowning procedure that tells us whether this country is democratic or not. Rather than downplaying to serve individual or personal interests, Cameroonians still need to learn. I will not believe that I will live to see my country in 60, 70 years' time still behaving as if elections started being organized in Cameroon 2 years ago or 5 years ago. This, as I said several times, there is a democratic state, but we realize now that it is a state of anarchy and dictatorship. And I believe there is time we must give chance to the citizens and individuals to express their views. I don't know the rule of the press. I don't know the rule of what we call the civil society actors or international organizations in Cameroon. The press has always done its job. Yeah, that is what I'm saying, because I remembered I was taught by one professor Nduem at the University of Yaoundé too. He said freedom of expression will have no implication, no meaning, if what individuals say or express does not affect decision taking. The moment we talk and nothing changes, then there is no need to tell Cameroonians that there is freedom of expression. It will equally tell me that, meaning the press hasn't or has nothing to do with the political atmosphere in Cameroon. There is a whole lot of things. If we have to pray, I believe the next thing is to pray for the intervention of heaven, is to pray for the Messiah that is going to liberate Cameroon. We now talk something away from politics to see some localities in the north region of Cameroon have once more been hit by a cholera outbreak. About 3 persons have been diagnosed of cholera in the Mayo Ulu Health District. For me, Hansen Sander tells us more. The outbreak of cholera is not new in Cameroon. In 2010, for example, 8 of the country's 10 regions were affected by a cholera outbreak, which resulted in 657 deaths. 87% of those affected were in the far north region of the country, considered vulnerable to the spread of the disease. Why do we have a cholera in this region? It's only because of the lack of access to proper water. So when you are in a zone where there is no proper water, you have a lot of chance to have the cholera. And you know, in the far north, there are
a lot of places where you cannot have good water to drink. Though caused by the consumption of contaminated water and food, cholera is often spread as a result of poor sanitation and hygiene. The first thing, the hygiene of the hands. When you cannot wash your hands very well before and after eating, when you go to the toilet and after you cannot wash your hand, and after you come you greet the people with the hand, these manners contribute to the rapid spread of this. Potentially, cholera is a series of infectious diseases and can cause high mortality. It has the potential to spread rapidly depending on the context and how exposed is the population. Yes, dirty water, but the dirty water who is infected by the Vibrio cholerae. You can drink dirty water, but there is no Vibrio cholerae inside, so you will not have the disease. But recently, reports say some parts of the north region have been hit by a new cholera outbreak. Three cases were reported in Dumu and Giviza Health Unit of Mayo Ulu Health District. Considering the realities in this part of the country, government is expected to take rapid measures in order to stop the disease from spreading, like in 2010. We now talk this commercial report where the Sonara Oil Refining Company, Sonara, has signed an agreement of revamping towing and mooring activities at the Cape Limbo Petroleum Terminal with the Port Authority of Douala and the Fakola Shipping Company Limited. This concession agreement aims at fortifying the party's industrial activities to withstand competition and generate fabulous income, and equally raising the rates of employment. We have details in this report. It was indeed a solemn ceremony Thursday, June 28, that grouped authorities of the National Oil Refining Company Sonara, Port Authority of Douala, Fako Transport and Shipping Company Limited, Fako Ship, and host of others, including officials from the Ministry of Transport, for the signing of the concession agreement of towing and mooring activities at the Cape Limbo Petroleum Terminal. The importance of this agreement may be viewed not only on the companies concerned, but more especially on the activities involved. Mooring and towage at our oil terminal are vital for the exploitation of Sonara. Concretely, they play an unprecedented role in the competitiveness of our company because they are a must for the reception of a big vessel transporting our raw material, crude oil, and the expedition of finer petroleum products. The process to bind Sonara, Fako Ship, and the Port Authority of Douala commenced 5 years ago. The agreement goes into effect this 2018 with golden advantages like guarantee of smooth conduct of operations, considerable financial gain to be made, and provision of a stability that will better adapt to the party's industrial activity. Given that the duration of the concession agreement has been baptized with 10 years, with the possibility of amending it every 3 years. The present concession agreement will surely guarantee competitiveness of our respective companies. At the same time, it represents a symbol of a fruitful and friendly collaboration between our companies. According to the general manager of the Port Authority of Douala, this concession agreement is distinct from others. It is the first concession in which the concessionaire is a company whose capital is wholly owned by nationals. The combined effect of the competition department in the context of the restriction of international tender, added to the experience of partnership in the field of towing and mooring, with another drop, a drop in the cost of towing and mooring services in Sonara of at least 1.2 million compared to the level in 2017. The number of direct jobs guaranteed by this concession is
60, of which 10 executive positions. And this tripartite agreement enters a historic book. It marks a milestone in the life of our three companies, the Port Authority of Douala, Faco Ship, and Sonara, all of which are working very hard to achieve the emergency of our beloved country, Cameroon, come 2035, as prescribed by our illustrious Head of State, His Excellency Paul Biya. All three parties are now ready to curb the challenges lying ahead of them to attain the goals of the concession agreement. And now, semi-final matches of the 2018 FIFA World Cup will be played as from today, July 10. Today, France will play against Belgium in St. Petersburg. That will be at 7 p.m. tomorrow. Croatia will face England in Moscow, and that will be at 7 p.m. as well. That brings us to the end of this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Thanks for your fidelity. We shall be back at 4 p.m. Nazin, see you at 4 p.m. Merci, Gino Stenazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez un agréable moment en compagnie de nos programmes.